Tansarga est l'une des 8 communes que forme la province de la Tapoua. Elle regroupe 17 villages administratifs et de nombreux hameaux de culture. Tansarga ni. Ti ya yamen en pare cho na kama ni. Renan ti li yelwon be giba bugun la. Bu top yu nu ba ya ka ba sa garan ka bu top atle go bugun. Ka ba sale ti. Tansarga ti. La population est de 6 759, dont environ 50% de femmes et 50% d'hommes. La population de Tansarga est constituée de plusieurs communautés. Les Gounmachiers sont les autochtones d'ethnie majoritaire, auxquels se sont ajoutées d'autres communautés telles que les Peuls, les Mossi, les Haoussa et les Germains. L'organisation traditionnelle de la commune découle d'un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances. Des pratiques comme la géomancie sont très déterminantes dans tous les actes majeurs de la vie sociale de la communauté. Le terroir de la commune de Tansarga est plongé dans un complexe de réserves protégées à différents titres, dont le plus important est le parc W. La présence de ce parc a favorisé le développement d'activités liées à la conservation de la nature et à l'écotourisme. Cependant, les zones villageoises connaissent une très forte diminution de la couverture végétale et une perte de biodiversité causée par les feux de brousse et d'autres pratiques néfastes. Ce qui représente pour la population un risque pour la traditionnelle exploitation des produits forestiers non lignés. Si on voit quelqu'un qui coupe un arbre, bon, nous, on commence à le sensibiliser d'abord. C'est quand on l'a sensibilisé, ça n'a pas marché. Maintenant, on l'envoie maintenant aux autorités titelles. La zone ne présente pas des cours d'eau permanents, mais des sous-affluents temporaires de la Tapoua et de la Pendiari. Mais la pluviométrie est assez bonne, avec 800 mm d'eau recueillie chaque année. L'accès à l'eau potable reste quand même un problème crucial. Cela est dû principalement à la rareté des points d'eau et au mauvais fonctionnement du système d'adduction.
L'agriculture est la principale activité de la commune. Les producteurs sont réunis pour la plupart en groupement et cultivent principalement du sorgho, du maïs, de l'arachide et du sésame. Mais une place de choix est donnée à la culture du coton qui, malgré ses conséquences néfastes pour les sols, procure aux paysans des revenus substantiels. Le maraîchage est aussi pratiqué dans la commune, mais ce secteur est confronté aux difficultés d'approvisionnement en semences et aux problèmes de transformation et d'écoulement des produits. Ces dernières années, les producteurs constatent la diminution des terres cultivables et une dégradation continue de leur sol. Ce phénomène est dû à la diminution de la pratique de la jachère, à la faible rotation des cultures, à l'érosion et à la forte utilisation des produits chimiques. Depuis l'instauration de la culture cotonnière, qui a entraîné les populations à avoir plus besoin de terrains défrichés pour exploiter le coton et plus de besoins d'intrants chimiques qu'ils utilisent dans ces champs de coton, et également la non-réglementation de ces produits chimiques qui sont moins chers, non contrôlés. L'élevage est la seconde activité économique de la commune. Une des pratiques est le système agro-pastoral qui est sédentaire, mais le plus répandu est l'élevage pastoral. Il est marqué par la transhumance avec les pâturages naturels comme principale source d'alimentation pour le bétail. Mais la régression des terres de parcours et l'occupation des couloirs d'accès liés à la progression du front agricole engendre des conflits de plus en plus fréquents entre éleveurs et agriculteurs. Au niveau de chaque village, il y a des commissions qu'on a installées, des commissions de réconciliation. C'est-à-dire qu'en cas de problème, ou s'il y a un problème qui est en train de naître, ce sont ces agents qui sont chargés de résoudre amiablement le problème. En 2008, la commune a entamé, sous la supervision méthodologique d'une ONG internationale, le processus d'élaboration d'un document de planification environnementale. Un grand travail de terrain et d'implication de tous les acteurs a été mené pour réaliser l'analyse du milieu et identifier les axes stratégiques d'intervention environnementale. Un effort aussi grand a été dédié au traitement des informations, à la restitution des résultats dans les villages et à la finale appréciation et adoption du conseil communal. Désormais, le plan communal d'action environnementale fixe les axes d'intervention par domaine ainsi que les actions prioritaires par village. Il s'agit maintenant de rechercher et canaliser les sources de financement du plan, établir des partenariats privés et publics, fixer les mécanismes de subvention et mettre en place un système de suivi et évaluation. Un fonds de financement a été lancé en 2009 pour la réalisation des micro-projets environnementaux. Le défi pour une gestion communale des ressources naturelles a été lancé. Entre-temps, l'éducation environnementale des plus jeunes prépare les terrains. Gracias.
Yeah, 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 yeah.